Tout a commencé par un drapeau que les membres du CNDD-FDD avaient érigé à la 4e avenue dans le quartier Bururi de la commune urbaine de Kinama, où ils voulaient organiser une rencontre. Cela a alors alerté les membres du FML qui ont exigé que ce drapeau soit enlevé de cet endroit. C'est ainsi qu'ils ont commencé à se lancer mutuellement des propos hostiles. L'hostilité a augmenté d'ampleur quand les membres du CNDD-FDD ont commencé à jouer des chansons qui vantent leur parti. Comme pour créer de la cacophonie, les membres du FNL se sont mis à entonner des chants vantant leur parti, allant jusqu'à ériger eux aussi leur drapeau à côté de celui du CNDD-FDD. La situation a ensuite dégénéré en bagarre, heureusement sans blessés graves. Malgré tout le temps que cela a pris, aucune autorité locale ne s'est présentée pour calmer les esprits. J'ai parlé avec l'administrateur au téléphone, lui signifiant qu'il sera responsable de tout ce qui est arrivé ici à la 4e avenue du quartier Bururi. Les gens sont en train de se bagarrer dans la rue. Monsieur l'administrateur, vous qui avez donné l'autorisation, venez trouver une voie de sortie à cette situation. Même les forces de sécurité qui ont été déployées sur place n'ont pas pu éviter cette bagarre, vu leur effectif insignifiant face à cette foule en furie.